D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, qui a un gros nez, ça y est, et qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui complète mon cuit, qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. J'adore. Pour vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on pense pas, monsieur. Ah, quel monsieur. On pense pas. Brel, Brel. On prie. Et puis y'a Frida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon y être. Et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais tué de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié. Ils sentaient pas bon. Enfin ils veulent pas. Enfin ils veulent pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi. Mais quelle maîtrise, Pierrot, bravo. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Pierre. Pierre, tu as quel âge ? J'ai 15 ans. 15 ans, écoute, bravo. Merci. Choisir dans un répertoire aussi compliqué pour ton jeune âge, Brel, c'est pas anodin comme interprète, c'est un grand monsieur. T'es concerné par le texte que tu défends, tu as su me raconter l'histoire, tu as su faire passer les émotions à travers ta voix. Donc forcément, on ne peut que saluer ton talent en se retournant. Merci. Tu es là avec ton petit instrument complètement à part même. Tu as une voix à part. Écoute, bravo et bienvenue dans The Voice. Merci. Tu sais, c'est rare, très rare ceux qui interprètent cette chanson. En général, les gens vont chanter « Ne me quitte pas ». Ils vont te chanter les classiques. Mais là, toi, ce que tu viens de faire, pour moi, tu n'as utilisé que 5% de ton potentiel. Quand je te dis ça, c'est même pas un compliment, c'est pire qu'un compliment. C'est pour ça que j'aimerais trop que tu viennes dans mon équipe, qu'on puisse interpréter encore d'autres chansons à texte et mettre les mots en avant et ton talent en avant. Donc j'espère vraiment, vraiment que tu viennes. Merci. Voilà. Hello, grand garçon. Bonjour. Juste que cette chanson, c'est un sac de nœuds, quoi. C'est comme un filet de pêcheur qui s'est emmêlé, tu vois. Et toi, ce que t'as fait, t'as démêlé tout ça et t'en as fait du cousu humain. Merci. Et tu es la preuve, là, ici, que ces artistes-là sont intemporels, traversent le temps. Et toi, tu nous as offert ce grand plaisir, que tu viennes chez moi ou pas. Tu m'as régalé parce que la première personne que j'ai écoutée dans ma vie, c'est Jacques Brel. C'est tout. Merci. Bravo. Bah évidemment, on le sait, Brel, c'est un des plus grands poètes que le monde ait porté. T'as réussi à mettre de la poésie dans la poésie. Et ça, c'est quand même fort. Moi, ce soir, tu m'as raconté une histoire. Je t'ai écouté de la première syllabe jusqu'à la dernière. Et ça, pour moi, c'est l'essence même de ce métier. Bravo, poète. Merci. Je pense qu'il faut que tu choisisses. Alors, merci beaucoup déjà. Merci. Merci à toi. Euh...
Bah, je vais choisir soprano. Oh, yeah. Bravo. Bravo, soprano. On est énervé, mais ça va. Ouais, mais c'était un bon. Et là, c'est bon. Merci, Mimi. On se voit bientôt. Travaille bien, reste comme tu es. On se voit bientôt. J'ai hâte. À très bientôt. Ciao. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste connectés. À plus tard.